vous parlez de choses et d'autres. Et puis vous parlez... Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tour vraiment spécial Noël. Vraiment, il n'y a pas mieux que ce tour de magie pour représenter Noël. C'est tout de suite, c'est maintenant. Regardez, un jeu de cartes et un téléphone portable. C'est tout. Regardez. Alors, c'est le soir de Noël, alors vous allez pouvoir présenter ce tour, vous êtes à table, vos amis sont face à vous, et puis entre deux plats, vous discutez de choses et d'autres, mais là, vous allez intervenir, vous allez dire, écoutez, je vais vous présenter un tour de magie exceptionnel, regardez bien. J'ai ici mon jeu de cartes, et sur ces cartes, il y a, sur chaque carte, le titre d'une chanson de Noël. D'un chant de Noël, regardez ici, c'est le petit renne au nez rouge, Noël à Jérusalem, regarde, 23 décembre, l'homme au traîneau, ah, oh, j'adore, oh, non, ouais, c'est pas mal, Noël blanc, Ave Maria, superbe, hein. Noël à Paris, Sainte Nuit, ma liste de Noël, étoile de neige, oh là là. Alors c'est Noël, etc. Donc des titres totalement différents les uns des autres. Vous dites à un ami, voilà, je vais te demander de choisir une carte. Pour cela, je vais poser les cartes non pas comme ça face en l'air, afin que tu ne puisses pas voir ici, par exemple, mon beau sapin, le chantier des neiges, etc., etc. Donc, tu devras me dire stop, mais je vais poser les cartes face en l'air, afin que tu ne puisses pas voir le titre. Donc, vous posez les cartes une à une sur la table et vous demandez de vous dire stop. Imaginons que votre ami vous dise stop ici. Vous lui dites, tu es sûr? Non, oui, non, tu veux que je continue? Eh bien, vous continuez. Votre ami vous dit stop ici. Donc, là, tu es certain. Très bien. Donc, tu as pris cette carte. Nous ne savons absolument pas quel est le titre du chant de Noël qui se trouve au dos de cette carte. Mais j'ai un moyen. Je vais demander à l'un d'entre vous de composer mon numéro de téléphone. Alors, vous donnez votre numéro de téléphone. Hein, donc, moi, je vais composer mon numéro de téléphone. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Je compose, et voilà. Donc la personne a composé votre numéro de téléphone. Et là, écoutez bien, regardez bien. Vive le vent l'hiver, c'est la carte que tu as prise. Alors, comment se déroule le tour ? Vous aurez besoin d'un jeu de cartes et d'un stylo feutre indélébile. Vous allez inscrire sur chaque carte les chants de Noël suivants. Tous les titres de ces chants de Noël, je vous ai mis la liste dans la description qui se trouve sous la vidéo. Donc, tous les titres. Donc, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 chants de Noël. Donc 26 chants de Noël avec un titre différent. Donc la liste dans la description sous la vidéo. Sur les autres 26 autres cartes, donc, il y aura toujours le même titre. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Vous voyez, vive le vent. Tout le temps, vous écrivez vive le vent sur 26 cartes. Puis, vous allez installer sur votre téléphone la musique Vive le vent. Vous allez sur une plateforme musicale, vous la trouverez facilement et vous l'installez donc dans votre téléphone et vous allez choisir dans sonnerie, et bien vous choisissez donc la sonnerie Vive le vent, tout simplement. Donc, l'installation est faite. Vous allez maintenant installer les cartes de la manière suivante. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Vous prenez trois cartes avec un titre différent. Vous allez mettre dessus les 26 cartes avec Vive le vent et sur le tout, toutes les autres cartes avec les titres différents. Vous êtes maintenant prêt à présenter ce beau tour de magie.
Présentation du tour hyper simple. Vous avez présenté à vos amis les cartes de la manière suivante. Vous présentez les quelques dizaines de cartes au-dessus du jeu pour habituer vos amis à avoir des titres différents de chant de Noël. Donc vous dites voilà, 23 décembre, l'homme au traîneau, Noël blanc. Vous allez de plus en plus vite et puis vous ralentissez, voilà, tous des titres différents. Vous dites voilà, on pourrait faire cela avec toutes les cartes, mais en réalité, tout cela est pour prouver à vos amis que tous les titres sont différents. Mais ce n'est pas vrai, mais eux ne le savent pas. Donc, vous dites voilà, je vais retourner les cartes dans l'autre sens, et là, vous allez volontairement dire voilà, je ne vais pas poser les cartes comme cela, afin que tu ne puisses pas voir le titre du champ qui va apparaître. Mais là, c'est simplement aussi pour montrer à vos amis que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous en faites trois, donc, comme ça. Le petit, vous dites, voilà, le petit reine au nez rouge, Noël à Jérusalem, Glory, Alléluia, etc. Mais en réalité, après cette carte, il y a les 26 cartes avec Vive le vent. Alors, faites très attention, hein. Donc, vous posez les cartes au-dessus et vous commencez à poser trois cartes, comme cela. Et seulement maintenant, vous allez dire à votre ami, vous me dites stop quand vous voulez. Allez lentement. Hein. Imaginons que votre ami fasse durer la chose, ça peut arriver. N'ayez aucune crainte, hein. Ça arrivera quand même dans le lot des 26 cartes où il s'est écrit vive le vent. Imaginons qu'il vous dise stop ici. Vous reposez les cartes au-dessus, retournez le paquet comme cela. Montrer ainsi que les titres sont différents. Vous dites, voilà, tu as pris une carte, je ne sais pas quel est le titre qui se trouve dessous, mais ça, vous le savez, mais jouez la comédie. Vous demandez à un ami de composer votre numéro de téléphone, vous donnez votre numéro, votre ami va appeler, alors j'y vais, comme ça. Voilà, vous dites, donc, tu m'appelles, et maintenant, écoutez bien. Et seulement maintenant, ah, vive le vent! Le concours, vous l'attendez ce concours et c'est le dernier de la série du mois de décembre. Il y a eu de nombreux gagnants avec des coffrets de magie, des jeux de cartes, des tapis de cartes. Et aujourd'hui, c'est un cadeau que je vais vous offrir pour le gagnant, bien sûr. Le premier qui répondra à la question que je vais vous poser dans quelques instants. Mais le cadeau, le voici. C'est ce superbe livre, mon grand livre de magie que j'ai donc réalisé avec les éditions Fleurus. Vous allez pouvoir le gagner, un très 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 beau livre avec de nombreuses images. Voilà, il y a plein de belles choses à l'intérieur, mentalisme, tour de cartes, etc. Et donc, je vais vous poser une question dans quelques instants et le livre sera donc remis au premier qui répondra à la question que je vais vous poser. Alors, sachez que pour participer, il faut être bien sûr abonné à la chaîne et aussi d'être le premier, hein, donc le tout premier. Le premier qui répondra, eh bien, gagnera ce beau livre de magie. Alors, la question, la voici. Alors, soyez le premier à répondre à la question suivante. Au cours de cette vidéo, il s'est passé quelque chose dans l'environnement du magicien. Il y a eu quelque chose de particulier et le premier qui aura remarqué ce qui s'est passé dans l'environnement du magicien, eh bien, gagnera donc ce beau livre de magie, un beau, beau, beau livre. Eh bien, donc, le plus vite, le plus rapide, qui répondra. Donc, il s'est passé quelque chose autour de moi. Oui, il s'est passé quelque chose, oui. Ah, il y a peut-être quelque chose qui a changé. À vous de trouver. Allez, à tout de suite. Concernant le concours de la semaine passée, il s'agissait tout simplement, regardez cette vidéo, il s'agissait de mettre quelques gouttes d'eau qui tomberont sur l'allumette. Et ainsi, l'allumette va gonfler légèrement à cause de l'eau. Le bois va travailler, donc l'allumette va s'écarter tout simplement.
Vous n'aurez pas touché à l'allumette, vous n'aurez pas touché à la bouteille ni à la pièce. Et la pièce, regardez, chitra. Voilà, tout simplement. Bravo gagnant. Son nom est inscrit dans la description sous la vidéo. Eh bien voilà, à bientôt. Alors si vous avez aimé le tour, alors avant de vous quitter, reprenons les choses, avant de vous quitter. Si vous avez aimé le tour, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait plaisir. Me laisser un commentaire. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo avec d'autres pour faire profiter d'autres amis, allez-y, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, attention. Puis activez la cloche qui se trouve au-dessus. Et là, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, joyeux Noël. Merci, à bientôt.